Salut Frangin, et 73-51 du matin et d'après-midi de mon côté. Oui, j'étais en train de regarder, c'était le temps que je permute, pas les fils, mais l'antenne. C'est-à-dire que quand je suis pas en fréquence, c'est le WebSDR qui utilise l'antenne de la station. Et bon, faut que je permute pour récupérer l'antenne sur le poste. Et je me mets un petit bouchon dans le bout du câble du WebSDR pour pas trop saturer la bestiole. Hachis trois coups. Comment vas-tu, Frangin? Le bon matin de ton côté. Ah non. demain après-demain, tu vas pas m'entendre beaucoup en fréquence, ou alors ça sera dans le mobile. Je bosse ce soir en nuit. On est quoi? On est jeudi. Ouais, voilà. Donc là, jeudi nuit, je bosse. Vendredi nuit, je bosse. Samedi nuit, je bosse. Bon, ça c'est fait. Ben après, bon, c'est sur la route, hein. Je verrai bien s'il y a du monde sur le 625, et bien je manquerai pas de lancer un appel. Ah oui, sans déconner, c'est vrai que ne plus avoir le serveur pour dire les choses directes, ça me fait chier, parce que bon, je l'utilisais pour le forum, c'est-à-dire pour les différents logiciels et tout, ceci, cela, donc je mettais des liens directement sur le forum, puis en plus dedans, j'ai des fichiers des copains du forum, des fichiers PDF, donc il y a des notices, il y a plein de choses comme ça dedans. Mais bon, j'ai toujours les disques, hein. Eux, il n'y a pas de problème, hein. Et c'est l'appareil en lui-même qui marche plus, le serveur, quoi. Mais tout est dans les disques, mais coincé là pour le moment. C'est vrai que c'est pas mal embêtant, quoi. Mais pour nous, au niveau vidéo, ah oui, je suis bluffé, hein. On part, je vois mon téléchargement, il m'arrivait avant de mettre une heure et demie de téléchargement, alors que il y avait seulement quelques mètres entre le serveur et puis moi l'ordinateur pour récupérer les vidéos. Et là, c'est quelques secondes, quoi. C'est tellement que c'est rapide. C'est une histoire de secondes, voire quelques minutes au pire. Et encore, non, je suis même pas sûr d'avoir atteint la minute pour récupérer là tes vidéos en passant comme ça, quoi. On va rester comme ça là-dessus, hein. C'est sûr que là c'est beaucoup plus rapide, hein. Ah oui, il n'y a pas photo, hein. Côté, attends, j'ai pas compris. Sur la vidéo, maintenant la qualité de cette façon-là de la vidéo. Ah ben c'est la même chose, parce que de toute façon, toi, tu l'envoies directement de ton téléphone dessus. C'est là où ça pose problème, c'est quand tu passes par Facebook. Quand tu envoies sur Facebook, alors là, eux réduisent, salope le truc, de façon à ce que ce soit le plus léger, et tant pis pour la qualité. Voilà comment voit Facebook les choses. Et du coup là, que tu l'envoyais comme avant sur le serveur, ou que tu l'envoies là sur le drive, sur le cloud, ou je sais pas comment tu appelles ça de ton côté au Québec, eh bien, c'est stocké,
Je pense pas, non, je vois pas, je pense pas que ça soit réduit par derrière, je pense pas. Je perso, je vois pas de différence à l'œil en tout cas comme ça. C'est oui voilà, bon ben tout ce blabla pour dire ça. Pour moi, je vois pas de différence comme ça à l'œil. Oui, mais c'est sûr que là, tout le monde est gagnant. Hein. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Hein. Toi, t'es largement gagnant. Et puis, tiens, par exemple, là, on est en QSO. Bon, là, j'ai démarré aussitôt la vidéo et tout ça. Bon, ben, dès que j'ai permuté les fils, le câble, l'antenne. Bon, bref, j'ai démarré la vidéo. Tiens, par exemple, tu vas aller faire un tour au 318, tu vas aller te chercher un café, un truc comme ça, forcément tu vas couper la vidéo, bon moi aussi de mon côté, et ben le temps d'aller faire ça, t'envoies ça sur le drive, sur le cloud, sur l'espace de stockage, t'envoies ça dessus, tu reviens, c'est déjà fait, paf, t'attaques la suite, et puis en avant roule. C'est beaucoup plus interactif, beaucoup plus rapide comme ça. Ah oui. Là, franchement, j'ai envie de te dire, on reviendra pas en arrière. Hein. On reste comme ça, à travailler comme ça. C'est vachement mieux. Hein. Oh oui, oui monsieur. Non, pas du tout. C'est que là, je viens de mettre un message là sur le WebSDR pour dire ben désolé, j'ai récupéré l'antenne du WebSDR pour l'utiliser à la CB. Je pourrais faire autrement. Hein. Quand je suis à la CB, que j'utilise la grande antenne, la Mantova 8. Je pourrais mettre le WebSDR sur l'autre qui est à côté, c'est-à-dire la Sirio, oui c'est ça, la Sirio GPA 27 quart d'onde. Mais entre les deux antennes, il y a quoi? Il y a la largeur, la longueur d'une maison, c'est-à-dire une dizaine de mètres. Ça fait beaucoup trop près. En plus, avec la puissance là que j'envoie pour être sûr que tu m'entendes, non, c'est je grillerai le récepteur du WebSDR derrière et puis là je serai pas content. Parce que moi aussi je l'utilise mon WebSDR quand je suis au boulot. Je viens dessus pour voir si pour voir ce qu'il y a quoi. Enregistrer le break. Oh, le Québec, il est tombé de sa chaise, là. Ok, bon, en attendant, je sais pas si toi tu m'entends, Gilles, mais en attendant que la propague revienne de ton côté, il y a eu un break. Donc, les bandes sont 13-51, le break, 14, bravo Charlie, 33-01, Rémi, Dandy, 33, du côté du Castillonnet, c'est-à-dire à côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Ok, les amitiés de 14 Mike Alpha Charlie Transport, opérateur Mathieu de Poutra, les amitiés Rémi. Ok, mais je t'avais pas reconnu là, sur le coup, tellement que c'était bref avant ça. Ah oui, puis en plus, là, j'ai au niveau clarifieur, j'étais calé là sur Gilles, 9 bravo Charlie 555. Donc forcément, je pouvais pas te reconnaître. Comment vas-tu? Ah, ça va, je teste un nouveau poste là, donc je sais pas ce que ça donne. Ben non, c'est moi. Non. Ok, alors j'ai pas eu le temps de clarifier, non je croyais que j'étais resté calé au niveau du clarifieur sur Gilles, non, en fin de compte je suis revenu au centre, tu es un petit peu décalé, alors ça c'est histoire de chipoter, hein. Voilà, c'est au niveau radio ça passe très bien, c'est pas percutant, je suis en train de faire une vidéo en même temps, donc là il est... Vite, attends, je suis un petit peu dans le sombre, que j'arrange ça, voilà, il est, ouais, 14h15, 14h20,
D'accord, comme ça tu pourras voir dans la vidéo à quel moment c'est, tu pourras voir un petit peu le retour. C'est, ça passe bien, mais c'est pas percutant. Et il y a un petit décalage. Je vais, dès que tu vas reprendre le micro, je vais. Ah zut, tiens, c'est moi qui me décale en fréquence dans la tête. Moi. Oui, aïe. Je vais me mettre pile sur ta fréquence. Ok, là, je me suis recalé sur 800. Donc on va voir si tu m'entends mieux, parce que je m'étais décalé pour t'entendre, que c'était décalé. Retour. Non, t'es même parti un peu plus loin. Attends, je relâche, je reprends. Ok, t'es sur le 27625.2. Voilà, 27625.2. Voilà là où tu es. Et j'ai pas touché mon émission la fréquence hein. C'est juste au niveau du clarifieur que j'ai réajusté hein. Voilà là où je suis là la seconde même. Ok, il va falloir vous dire pour réinitialiser le poste, tout remettre à zéro, ça sera peut-être mieux. Ouais, oui, ça a été trop court pour que je te trouve comme il faut. J'ai dit il va falloir que je réinitialise le poste, ça ira peut-être mieux une fois réinitialisé. Ouais, alors là, c'est des miettes. Hein. C'est moi, je serai toi, je toucherai même pas. 27625.0506. C'est, ouais, voilà. C'est 27625.0, ouais, allez, 05. Donc, c'est 50 Hz. C'est comme tu veux. Mais bon, pour, perso, j'ai envie de te dire que 50 Hz, ça va, ça vient. Hein. C'est, suivant la température du poste, ben voilà, ça peut bouger un petit peu, quoi. C'est, t'as un petit exemple, tu prends le cas de Lincoln 2 Plus, sorti d'usine, il a déjà 50 Hz de décalage. Donc c'est vraiment, vraiment des miettes. Bon, c'est pas 500 Hz, hein, donc c'est vraiment infime. Hein. Ok, ouais, mais moi je suis déjà décalé là, je suis obligé de me mettre à 24,99 pour t'entendre clair, et si je me mets sur 0, je t'entends complètement décalé, donc c'est pour ça. D'accord, ok, ah bah oui. En plus, là, je suis sur le Yazu, là, le FT450AT. Je suis dessus, là. Donc, j'ai déjà fait des tests, comme là, en ce moment, j'ai le WebSDR en parallèle. Donc là, j'ai un léger retour, là, de son, là, dans le PC. Et je vois que je suis toujours bien sur la fréquence, là, de mon côté. Car, tiens, pour la petite anecdote, certains disent, moi j'ai un décamétrique, je suis forcément bien calé en fréquence. Non, non, un décamétrique, ça peut aussi se décaler en fréquence comme n'importe quel poste. Ici, trois coups, et retour. Ah, c'est sûr, hein. C'est sûr, mais là, je viens d'avoir un 39N normal, donc je vais voir un 69N, pardon. Façade blanche, grise. Je vais remettre à zéro et voir ce que ça donne en mieux ou pas. Voilà. Ok, oui, c'est celui qui a la façade blanche et encadrement chrome. C'est bien ça, hein? Non, le 6009. 6009, zut. Le Cyberstar 6009. J'avais compris ce... non, mais attends, putain, mais j'ai les neurones là qui font des courts-circuits, quoi. J'avais compris... alors, j'ai entendu 6009... Mais le cerveau, lui, a décrété que non, c'est 3009. Ah, c'est parce qu'au départ, j'ai dit 3009, c'est pour ça. Je m'étais trompé. Ah, d'accord, donc la faute n'est pas entièrement de moi. Oh, d'accord, non, j'ai cru que c'était moi qui avait bugué. Ouais. Bon, ça aurait pu, parce que là, tout à l'heure, je me mets un petit peu, on va dire, la tête dans le guidon pour être le plus rapidement possible en fréquence. Oui, ce soir, je bosse en nuit. Donc là, debout, je me suis levé à midi. Bon, petit déjeuner, passage au Karcher et tout, haché trois coups, plus faire mes trucs après sur Internet, programmation journalière et tout, ceci, cela, aller sur le forum, d'ailleurs là j'ai encore sur le forum, et ainsi de suite, pour être le plus rapidement possible ici en fréquence. Donc là, ça s'est bousculé un petit peu là-haut et ça brossit pas trop, quoi. Ok, d'accord. Non, moi ça va, j'ai débauché le bonheur ce matin, donc là je suis tranquille, je rembosse dans un petit moment. D'accord.
Attends, encore au pro, là. Ok, d'accord. Eh ben, j'embauche, là, à 19h. Ce soir, j'embauche à 19h. Demain soir, j'embauche à 19h, là, sur les environs de Saint-Émilion, là, par là. Samedi soir, par contre, je m'en vais cavaler, là, sur Mérignac. J'embauche à quelle heure, samedi soir, non? Je crois que ça doit être 20h. Enfin, que je rentre mon planning. Putain, j'allais me promener un petit peu, ça va me changer les idées, quoi. Et puis, je verrai bien s'il y a du monde sur la route. Enfin, ah ouais. En fréquence. C'est pas le même métier, mais c'est pareil, hein. Moi aussi, je bouge de temps en temps, ça m'arrive de partir. Ouais, de temps en temps, ça fait du bien un peu. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à toujours s'encrouter là, dans son boulot quand on est trop longtemps au même endroit et tout ça. C'est bon, certains aiment bien, mais j'ai remarqué que quand on reste trop souvent au même endroit, on devient un peu feignant au bout d'un moment. Tu bouges, tu vas bosser un petit peu ailleurs, tu vois d'autres horizons. Ça te requinque. Et puis voilà, ça va mieux, quoi. ouais, bouger, ça fait du bien des fois. Ok, bon, allez, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai pas mal de choses à faire. Allez, c'était juste pour tester, je t'envoie les amitiés et puis voilà, retour à toi. Ok, merci. Comme d'habitude, je travaille la vidéo au plus vite. Bon, là, pour l'instant, je vais profiter de la présence du Québec en espérant qu'il soit de retour derrière. Comme ça, tu pourras voir ça dedans. Les 73-51, toi, et merci de ton passage. À plus tard. Merci, bonne journée à toi aussi. Merci, bye bye. Attention Gilles, 9 bravo Charlie, 5-5-5, ou les tannants du Québec pour 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi, qui l'en s'appelle. Oh, j'ai entendu quelque chose très très QRP, je sais pas si c'est Gilles ou un autre OM, c'est beaucoup trop QRP de mon côté. Pouvez-vous me revenir là s'il vous plaît, avec les bonnes 73? Peut-être un message sur Messenger. Alors. Non. Waouh, ça fait quoi là? C'est en train de bouger tout seul. Non, c'est bon, pas de message. Attention Houston, nous avons perdu le Québec. Bon, ben, ça fait déjà 18 minutes de vidéo. S'il n'y a que ça pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. On va pas se plaindre. Attention le Québec-Canada. Attention le groupe des tannants. Attention le Bravo Charlie. Pour 14 Bravo Charlie, 33-01 Rémi qui lance appel. Il est tombé de la chaise, il est tombé à la cave. Bon, je vais mettre la deuxième antenne sur le A. Ah, je vais y arriver. Bon d'accord, je vois qu'il y a du monde derrière, les 73 stations sur le web SDR. Bon ok, j'étais à l'instant avec le Québec-Canada, plus une station locale. Apparemment la propague a chuté là, juste pour le moment. Je vais basculer le web SDR sur la carte d'onde.
que tout le monde puisse profiter un petit peu de l'activité. Et je récupérerai après. Trente-trois zéro un, toujours là. Ouais, le Québec est tombé de sa chaise. Et 73-51, c'est tellement QRP que j'arrive pas à reconnaître qui c'est. 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi. Oui, tout à l'heure, ça passait plein pot avec Gilles. Et poum, c'est tombé d'un seul coup. Ah, oh, j'ai reconnu. 9 bravo Charlie, 25-05. Jean-Luc. Oh, qu'est-ce que c'est QRP là de mon côté? Eh, les cousins, va falloir pédaler un peu plus vite là. Parce que là, c'est. Heureusement que j'ai pas de QRM ici, là, sur le QTH. Parce que là, c'est vraiment, vraiment trop QRP. Un demi-point hein, au niveau signal. Hein. C'est tout, pas plus. Ça commence à monter un petit peu. Je suis en train de regarder un truc. Ben non, là, il n'y a pas de problème de mon côté. Ça marche bien. Bon, ben, c'est comme ça, quoi. Bon, c'est, et puis tout à l'heure, ça remontera d'un coup. Affirmatif, avec les bonnes 73, 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi, du côté de Saint-Émilion, qu'est-ce qu'il y a la bataille? Alors, les 73 de la station, pour entendre quelque chose, il faut commencer par monter le volume du poste, sinon ça fait beaucoup plus silencieux. Oui, Jean-Luc, c'est vrai que là, je sais pas ce qui s'est passé, hein, tout à l'heure, ça passait très bien et tout, ça, c'était avec Gilles, ça passait très bien, puis poum, d'un seul coup, ça s'est cassé la figure, puis là, ça remonte doucement. Et là, il y a une station qui vient de se signaler pour demander s'il y a quelqu'un ici, je lui ai répondu, mais bon, il a dû oublier de monter le volume de son poste. Hachi, comment vas-tu, Jean-Luc? Thank you.
Alors, j'espère que dans la vidéo on entendra mieux, parce que là, moi, j'ai les oreilles grandes ouvertes, mais de là à traduire, c'est pas ça. Eh, ça y est, du côté du Québec, ils sont encore tombés à la cave. Ça passe plus là de mon côté. Ça veut plus. Hey Jean-Luc, sans déconner, là tu me déçois aujourd'hui. Hein. D'habitude tu me casses tout, tu me casses la baraque, tu me casses la station, tu me casses tout. Et là, pas un peu de mouche. Tu passes tout petit, quoi. C'est, remonte au rez-de-chaussée ou va au premier étage. Parce que là, rester à la cave comme ça, là, j'arrive même pas à comprendre ce que tu me dis, quoi. Ah bah alors là, ouais, je t'entends parler. Ce que t'as dit, ça devait être certainement très intéressant, mais bon. De toute façon, je devine que de ton côté, ça doit être pareil aussi, hein. Ça doit être aussi QRP. Mais bon, on va attendre un petit peu, hein. Enfin, pour ma part, je vais attendre un petit peu. Et je verrai bien, dès que j'entendrai le Québec passer un peu plus fort, whoop, je me rejetterai sur le micro. Oh, toi, t'as tourné ton antenne verticale vers moi. T'es passé d'un Santiago de 0,51 à Santiago 2. Ah. J'ai entendu travail, donc j'imagine que tu me demandes comment je travaille en ce moment. Ben là, je vais attaquer là les trois nuits suivantes. Donc là, il n'y a que cet après-midi là que je peux encore être en fréquence. Ce soir, sur la route, demain, après-demain, ben ce sera plus du côté du mobile que je serai en fréquence. Maintenant, si tu m'entends comme moi je t'entends, eh ben tu vas rien comprendre. Yes, ce soir. T'as la vache, c'est pas évident. Waouh. Bon, je vais passer en QRX. Hein. Je reste derrière la porte le temps que ça s'améliore un petit peu. Et je reprendrai le micro tout à l'heure. Là, j'ai à peu près compris. Je reste sur le QSO, hein. Mais là, c'est tellement QRP que on dirait un langage de sourd qu'on est en train de faire. Hachi. Donc, je reste dans le QSO. Il n'y a pas de problème. Hein. Seulement, je pose le micro. Je me mets là sur le. Je suis occupé en même temps sur le forum. Donc, je vais me mettre un petit peu plus là, tout en restant là dans le QSO. Hein. Je QRte pas. Hein. Je reste juste là, on va dire, sur le siège d'à côté, à attendre que ça passe un peu plus fort. Ah.
Ah, j'ai basculé sur le... Alors là, j'ai un coupleur d'antenne, là. On le voit pas là sur la caméra, mais qui est... Oh bah zut! Bon, je reviens. Waouh! C'est remonté d'un coup! Bon, je vais à la boîte aux lettres et je reviens. Bon allez, je recoupe le webs derrière. Juste bon, de reprendre le micro. Oh, comment que ça passe fort là du côté du Québec? Oh là là, oui monsieur. Oui, désolé Gilles, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Eh bien, c'est passé d'un Santiago de un demi-point, voire dans les crêtes 2 points, à Santiago 7. Ah, et puis, juste avant, j'ai entendu Gilles aussi, là, ça passe très fort aussi. Je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, il y a dû y avoir une panne de secteur. Oui, monsieur. Ah, c'est... t'es tombé de ta chaise, là. Santiago 3-4. Ah oui, bah oui, non. 5. 6. Ah, Santiago 5-6. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai un peu de mal aujourd'hui. Je rame un peu, quoi. C'est... je le vois bien, quoi. J'ai du mal à aligner 3 mots. Puis j'essaie de faire plusieurs choses en même temps, ça je sais que c'est pas une réussite moi de mon côté. C'est je suis un truc, faut que j'y reste. Bon c'est bon, j'ai fait tout ce que je voulais faire là de mon côté. Et là c'est bon, je peux rester là dans le QSO là. Thank you.
Ah, j'ai de la moustache qui doit être en FM, j'imagine. Ouais, je sais pas en quoi ça baragouine. Puis vu comment ça passe, on dirait que c'est de la FM, quelque chose comme ça. Ah, il y a quelqu'un en train QRP là derrière, un demi-point de mon côté. Là. J'ai DSP dans le B. Il y a un bruit continu. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Bon alors, les autres stations, ils sont où? Ils sont où? Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, ça va, pour chanter, tu fais pas pire que moi. Mais bon, je vois que c'est vrai que là, t'en prends bien le chemin. T'es pas loin de me battre, mais bon, pas encore. J'ai vite regardé dehors avant qu'il y ait des paquets de flottes qui me tombent sur la tête. Putain, on le sait que t'es là. Avec la gueule que t'as, je veux dire, vu comment ça crache fort dans le micro, ça on l'a remarqué que t'es là. La frontière franco-belge, les 73-51, la frontière franco-belge, de 14 Bravo Charlie, 33-01 Rémi La Gironde. Mais c'est QRP de mon côté. J'ai eu du mal à t'entendre, les 73-51 retournés. Je repasse le micro sur le Québec. J'ai l'impression que le QRP va être assez aléatoire. Ouais. Mais non, c'est les OM qui ont chuté, quoi. Wow, j'ai les Brésiliennes qui arrivent derrière. Oh, la voix des ondes est là. La voix des ondes du Québec est là. Le 625 est un rendez-vous incontournable. Aujourd'hui, si vous avez entendu,
Les vidéos de Gilles commencent à arriver. Ça, c'est du réactif. Bon, ben, je vais redémarrer l'ordinateur du côté Windows. Ah, je préfère Linux. Sur Linux, on est libre, tout comme sur SMI. Sur Windows, ben, c'est pas pareil. Ça, c'est l'histoire de lancer un clin d'œil contre ceux qui ne jurent que par Windows. Qu'est-ce que c'est chiant sous Windows? Oh là là! Il y a tout de suite plein de fenêtres qui s'ouvrent et tout. Avec le démarrage.
D'accord, ben voilà, c'est récupéré. Ça, c'est le travail d'équipe. Hop là, tu m'as retourné le micro, Gilles. Ok, désolé, avant de te répondre, j'ai récupéré la vidéo, c'est bon Gilles, j'ai nettoyé derrière en fermant la porte. Donc là, il y a déjà une vidéo dans la boîte. Une vidéo à toi, là, c'est bon, elle est récupérée. Hein. Donc toi, là, comme ça, ça va nickel, hein. C'est super, c'est génial comme ça. C'est dès qu'il y a un trou et tout, ça, paf, hop, t'envoies ça, moi je récupère derrière, je marque l'heure dessus, allez, c'est bon, je stocke, et puis une fois fini, je travaille le tout. Ouais, ça c'est du travail d'équipe, ça c'est du travail de pro. Quoi. Et tu vas voir qu'un jour ou l'autre, la télé va nous demander conseil sur comment faire. Quoi. Mais qu'il est con celui-là. j'attends, j'essaie de revenir sérieux 30 secondes. Non, j'arrive pas à l'entendre. Donc les 73-51 lui, 14 bravo Charlie 666, de 14 bravo Charlie 33-01. Bon alors, je suis en train d'essayer de faire quelque chose au niveau WebSDR. Alors, l'idée, ce serait de mettre une commande au niveau du micro qui agirait sur le switch du basculement d'antenne au niveau du WebSDR. C'est-à-dire que, eh bien là, manuellement, ce que je fais, c'est que quand je prends pas le micro, comme là, à la seconde, eh bien, je bascule le sélecteur d'antenne sur la Sirio GPA 27 pour redonner la réception au WebSDR. Et au moment de prendre le micro, eh bien, je recoupe la réception du WebSDR juste au niveau du switch du sélecteur d'antenne pour ne pas le griller. Alors si j'oublie, dommage. Hôtel Charlie 83, c'est bien ça?
quand il faudra que je refasse une soudure au niveau de mon capuchon. C'est au chalumeau qu'il faudrait que je fasse ça. Pour expliquer, voilà. Et en tombant, évidemment, c'était juste collé. Collé par la soudure. Donc pas s'échauffer. Mais ça faisait quand même le travail. Je l'ai fait tomber tout à l'heure, ça n'a pas aimé. Et si je le posais sur le gaz, comme ça, tac, je fais chauffer le bazar. Ah, à tester. Du moment que ça arrive à me faire fondre l'étain et me souder ma petite plaquette dessus. À voir. Ça monte sur le web SDR, les stations. Ok, compris. Je suis en train de regarder du côté des web SDR du Québec. Québec-Canada par là. C'est pas terrible. C'est un 9 degrés ce matin.
Le soleil se lève, c'est très ensoleillé. Il y a peu de pluie, le soleil toute la journée, il va faire 7 degrés. Probablement 18, ça va dépendre du soleil s'il veut le réchauffer un peu. Et c'est excellent. Là. Hier, il y a plu toute la journée, mais là, c'est pour la balance de la fleur, il va faire beau ici, là, dans les Laurentides. Là. Parce que moi, je suis dans les Laurentides au Québec. Et à Saint-Laurentide exactement la ville, fait que là, ils vont faire beau rafraîchir, ramasser les feuilles, parce que les feuilles sont pas tombées, puis le changement de couleur ici, et c'est excellent. Oh oui, les conditions de trafic, mais c'est un RCI 2995DX, la première génération avec une tour à environ 20 mètres, 20-21 mètres de terre, puis là-bas, ouais, c'est ça, ouais. Les antennes, ça a une vingtaine de mètres. Hein. C'est bien souvent des pylônes autoportants. Ah, ça fait pas semblant, ça rigole pas. Hein. Je vois pour Gide, j'ai vu des photos avec le gabarit qu'il a. Autrement dit, gabarit rugbyman portier. Il monte comme ça le long de son pylône. C'est excellent. Donc, il est gros quand même. C'est une bonne machine aussi. Là. C'est une très bonne machine. Moi, j'ai ça à des 1900, des CRT 1900. Dans mes véhicules, moi, quand je suis en mobile, ben, c'est des CRT 1900. C'est des très bons appareils là, pour fonctionner. Là, c'est de la bonne pour Bordeaux qui appelle. Enregistrez le break. Pour Mika qui appelle. Enregistrez le break. Et là, j'ai pris le micro sans couper le WebSR. Plus une autre station de Bordeaux également. Ok, j'attends tes vidéos, Gilles, pas de problème. À plus tard. Oh, le sous-entendu. Vaut mieux pas avoir l'esprit tordu, là. Zut, j'avais pas vu que la caméra s'était arrêtée. C'est chiant ça. Et je peste.
Bon, la station de Bordeaux, est-ce que tu es de retour là pour le QSO, pour le Québec? Bon, ben, je n'entends plus, hein. Tant pis, on poursuit le QSO. Hein. Oh, ça fait le yo-yo. Oups, j'ai pris le micro. Alors que j'ai entendu quelqu'un derrière. Ah, c'est bien ça. Ça arrive. Eh, c'est que des photos, ça. Oui, je suis là, présent. Attends, j'ai essayé de mettre un message à Gilles. Du coup, j'ai mis coupé. Je me suis buté, je me suis fait prendre. Oui, je crois que je l'ai entendu. Oui, je l'ai entendu. Les 73 à lui, 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi, voilà, sur la Gironde, de Sud-Ouest France. Ouais, c'est du Santiago 1, Santiago 2 de mon côté, Radio 3, 4, parce que c'est vrai que c'est très QRP. La Bretagne, j'ai compris. Les 73 retournés. Eh bien, écoutez, côté météo, ben l'automne est là. Hein. C'est parti aussi là de mon côté. Et les températures ont l'air d'être un petit peu en dessous des normales saisonnières. Là, je sais pas combien il y a, mais à midi, il y avait que 14 degrés là ici. Alors ça fait pas épais quand même. Et puis bon, là au niveau ciel, c'est moyen. Bon, il pleut pas, c'est déjà ça.
Ça arrive doucement de ce côté. Bon, ok, Gilles, je vois que là tu es en train d'envoyer la vidéo. Ouais, mais je verrai ça tout à l'heure. Pour l'instant, je profite des QSO. J'aime ça. Dans l'idéal, c'est quand la propague n'est pas là, qu'on n'est pas avec le Québec et tout. Enfin bon, bref, quand la propague n'est pas là, l'idéal, ce serait de faire comme avant du côté des 40 canaux, c'est-à-dire la même chose. Les QSO locaux, c'était monnaie courante avant. Il y en avait partout, sur tous les canaux. Au point que c'était difficile de trouver un canal de libre. Là, c'était actif. C'est un truc qu'il faudrait refaire, là, maintenant. Surtout qu'il y a de plus en plus de monde qui reviennent en fréquence. Donc, c'est largement possible de refaire la même chose au niveau local, sur les 40 canaux. Thank you.
Deux vidéos quand même.
À voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Petite pause propague ou pas? Je n'ai pas regardé l'activité solaire comment elle est. Ah, vaut mieux pas avoir de QRM hein, pour l'entendre. Ben là, j'ai perdu. Hein. Ah, si. J'ai cru un instant qu'il n'y avait plus rien.
Bon, je vais pas tarder à QRT. Je recoupe la réception sur le web SDR. Tac. Break, Jean-Luc. Allez, Jean-Luc. Ok, désolé, je suis en train de regarder l'heure. Et puis là, le niveau propag, ça fait le yo-yo, c'est en train de refuiter là, de mon côté. En gros, il n'y a plus que toi que j'entends. Alors, je vais passer à d'autres occupations. Je vais travailler ma vidéo là de suite, là, de mon côté. Plus d'autres trucs que j'ai encore à faire sur Internet, ceci, cela, ça n'arrête jamais. Donc, je vais passer en QRT, des 73-51, et encore merci pour le QSO. Et bonne continuité de ton côté, amuse-toi bien. Merci. Demain, alors on est quoi là? On est quoi? On est quel jour là? On est jeudi. Donc ce soir, là ce soir, vendredi soir, ce soir, demain après-demain, je serai pas en fréquence au niveau du QRA en tout cas. Hein. Sur la route, oui, je verrai bien si ça passe. Ben si ça passe pas, ben tant pis. Sinon, à plus. Merci, ciao, ciao. Et
chuter, ça va chuter, mais oui. Deux barons Charlie, deux failles de l'autre, Jean-Luc qui t'a écoute. Oui, s'il y a encore quelqu'un qui se présente, selon la dame Probac, si elle n'est pas encore là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ah. Hey. Allez, je redonne l'antenne au WebSDR. Et voilà. C'est le WebSDR qui a récupéré la Sigma Mantova 8. Ah oui, je vois la différence quand même. Mais déjà, j'ai moins de QRM. Alors, ce qui explique ça, quand on regarde là la seconde même, le WebSDR, l'antenne carbone, eh ben, elle est plus près de chez le voisin. Contrairement à la Mantova 8 qui est de l'autre côté, quoi. Donc, forcément. Et puis, chez la Mantova 8, elle est quand même à 9 mètres de haut. L'autre, la carbone, elle est à la hauteur d'une cheminée de maison. Oui. D'une maison plein pied. Voilà. Donc ceci explique cela. Allez, les 73-51 à tous, à plus!